devons-nous nous attacher tout particulièrement à soigner les continuités non dialoguées, je préfère le terme à celui de séquencier que je trouve moche, pourquoi doit-on peaufiner, travailler énormément la continuité non dialoguée? C'est très simple à comprendre. Prenez un sauteur en longueur ou en hauteur, regardez le soin qu'il prend à préparer sa course d'élan, il met des repères de façon à, bien évidemment on le comprend, à tomber pile en pleine course d'élan à 3 cm du sautoir de manière à ne pas être éliminé et de faire un saut parfait. Nous devons faire très exactement comme ça. Une scène, c'est un jaillissement. On écrit dans le jaillissement et avant de jaillir, il faut ressasser sa performance. C'est ça la continuité non dialoguée.